nos voeux les meilleurs de santé, de bonheur et de prospérité pour l'année 2024. Des voeux de prospérité, de bonheur et de réussite pour la nouvelle année 2024. Tels sont les vœux formulés à l'endroit du ministre du Commerce Luc Magloambarg à Tongana ce jeudi 1er février 2024 à Yaoundé. Vœux formulés par l'ensemble du personnel des services centraux et déconcentrés, partenaires du secteur privé, structures sous tutelle de ce département ministériel, ainsi que des associations de protection des droits des consommateurs. C'est dans le cadre de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux de nouvel an au Mines-Commerce, interrompue depuis 2020, du fait de la pandémie du coronavirus. Rassemblement, mobilisation, unité et solidarité sont les maîtres mots de cette année 2024. Mais voilà le discours de nouvel an qui est un discours de mobilisation, un discours de rassemblement, un discours de solidarité. Faites-nous confiance. Mettons-nous ensemble. Suivez vos gouvernants. Suivez la République, suivez la hiérarchie, parce que la hiérarchie travaille pour votre bien-être. Les objectifs sont donc clairement définis. Priorité à l'approvisionnement continu des marchés, la lutte contre la vie chère et la promotion du Made in Cameroun. Priorité numéro un, c'est nos marchés. C'est les prix, c'est la satisfaction des besoins et des attentes, des aspirations légitime des consommateurs. Vous devriez être avec les brigades, les différentes brigades, chacun dans son rôle, la main dans la main, pour nourrir nos populations, lutter contre la vie chère, contre l'inflation. Oui, continuons de travailler pour relever le prix de notre cacao. Allons encore plus haut, plus loin, le prix de notre cacao, de notre café. Et les autres filières ne doivent pas être en reste. C'est aussi l'occasion de dresser le bilan de l'année 2023 de ce département ministériel sous la conduite éclairée du ministre Luc Magloambarg à Tongana, travailleur acharné, disponible et toujours à l'écoute de tous. Nous saluons l'admission le 13 juin 2023 sous votre impulsion du Cameroun dans la liste très restreinte de l'Organisation internationale du cacao des pays producteurs exportant partiellement ou en totalité le cacao fin. L'intensification, en collaboration avec les entreprises citoyennes partenaires, de l'organisation des caravanes itinérantes de vente promotionnelle des produits de grande consommation, notamment dans le cadre des opérations baptisées « Rentrée commerciale » et « Noël pour tous » qui se sont déroulées respectivement du 21 août au 30 novembre 2023 et du 1er décembre au 31 décembre 2023 jusqu'à nos jours et qui se poursuivent jusqu'à nos jours sur l'ensemble du territoire national dans l'optique d'accompagner les consommateurs durant ces périodes spéciales de l'année en leur permettant de s'approvisionner en produits de première nécessité, de qualité et de moindre coût. Un bilan élogieux, salué à l'unanimité par la grande famille du commerce et de la consommation grâce à la promptitude du ministre Luc Magloambarg à Tongana dans l'implémentation des mesures gouvernementales ayant conduit à ces résultats satisfaisants. Le bilan 2023 est globalement positif et satisfaisant. Aussi, voudrais-je saisir cette opportunité pour féliciter solennellement tous les responsables et personnels du ministère du Commerce et des structures sous tutelle et rattachées à quelque niveau que ce soit, qui ont travaillé d'arrache-pied pour permettre à notre département ministériel d'atteindre ces résultats. De même, à travers ma voix, les responsables et personnels susmentionnés félicitent M. le ministre du Commerce qui a su, contre vents et marées, piloter avec maestria l'implémentation de ces diverses actions. Par ailleurs, le ministre du Commerce ne manque pas d'exprimer sa gratitude envers tous les maillons de cette grande chaîne pour l'abnégation et le dévouement face aux défis à relever. Les personnels méritants reçoivent des décorations et les présidents d'associations diverses, des lettres d'encouragement, des mains de Luc Magloambarg à Tongana, le tout dans la convivialité.